il faut maintenant accepter les critiques, premier sifflet au Vélodrome après le nul de l'OM contre Angers. Alors que les Marseillais avaient parfaitement démarré leur saison, ils ont concédé le nul contre la Lanterne Rouge, 1-1, une semaine après leur première défaite en Ligue 1. Les supporters ont montré des premiers signes de frustration. L'impatience est déjà de retour à l'Orange Vélodrome. Une défaite à Strasbourg, 1-0, suivie d'un match nul contre Angers, 1-1, il n'en fallait pas plus pour que les sifflets du public olympien ne reviennent sabrer les oreilles des Marseillais. Ce vendredi, l'OM a perdu 2 points face à la Lanterne Rouge de Ligue 1. Et si Jonathan Rowe est encore un peu plus entré dans les cœurs phocéens en ouvrant le score, 51e, l'ensemble de l'équipe ne peut pas en dire autant, à commencer par Nil Mopay, expulsé à la demi-heure de jeu. Alors que la troupe de Roberto De Zerbi peinait à déstabiliser le bloc angevin, l'exclusion de Lilian Raolizao avait facilité la vie des Marseillais, 26e. Mais Mopay a imité le latéral droit quelques instants plus tard, replongeant les sudistes le nez dans leurs difficultés. J'ai accepté les compliments après les bons résultats, il faut maintenant accepter les critiques, a philosophé le technicien italien en conférence de presse à l'issue de la partie. Les supporters ont tous les droits. Le milieu Geoffrey Kondogbia non plus n'a pas été choqué par les sifflets descendus des gradins. On peut presque dire que les supporters ont tous les droits car avec ce qu'ils démontrent et ce que la ville démontre pour nous au quotidien, je pense que c'est normal pour un joueur de l'Olympique de Marseille d'être dans cette situation-là. Cela ne doit pas être quelque chose de surprenant quand on met ce maillot, a expliqué l'ancien joueur de l'Inter Milan en zone mixte. Alors que l'Olympique de Marseille progressait dans la même foulée que le Paris Saint-Germain et Monaco, avec 4 victoires en 5 journées, dont le succès épique contre le rival lyonnais, 3-2, le voilà qui subit un sérieux coup de frein, bien qu'il devrait conserver sa place sur le podium à l'issue de cette 7e journée. Il faut être conscient qu'on essaie de construire un grand Marseille et que ça ne se fait pas subitement. Il faut passer par des matchs comme celui de Strasbourg et celui de ce soir, a justifié De Zerbi, qui a également cité certains joueurs moins performants qu'en tout début de saison. Les épisodes ne vont pas dans notre sens, certains joueurs décisifs ne sont pas en forme et n'ont pas fait leur meilleur match. Luis Enrique, Greenwood, Hojbjerg. Ils ont été un peu imprécis dans leur premier geste, a-t-il lancé. Le coach italien a logiquement épargné Adrien Rabiot. L'ancien parisien a disputé ses premières minutes sous les couleurs olympiennes. Entré en jeu à la 65e minute, l'international français n'a pas changé le cours de la partie.